Good morning, Aleïden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Avram Chayin Orber Ben Fortuné Mazal Yedida Bat Esther David Ben Revitzrak, ainsi que le Fouat Miriam Bat Shelvia et Amram Ben Miriam. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Tmura, Perikbet Mishnah Gimel. Chomer Bakodashim Ibatmura ou Batmura Mibakodashim. Shakodashim Osim Tmura ve En Tmura ou Satmura. Atsibo Vashutafim Magdishim Avalom Emirin ou Magdishim Evarim ve Ubarim. Avalom Emirin. Chomer Batmura, Shakdusha Khalal Balatmum Kavua, Vena Yotza Nechulin Negazez Oleaved. Rabbi Yossi et Rabbi Yuda Omer, Asa Shogay Kemezid Batmura, Velo Asa Shogay Kemezid Bamukdashim. Rabbi Lazar Omer, Akilaim Batrefa, Veyotze Dofen, Vutumtum, Mandrogenos, Lokedeshim, Velo Magdishim. Dans notre Mishnah, on va comparer deux types de Gdusha. Une Gdusha, on va sanctifier un animal a priori pour en faire un korban, et la gdusha qui va provenir de la tumura. C'est-à-dire, la tumura d'abord, vous connaissez maintenant le principe, Baruch Hashem, à la fin du Perek Bet, on commence à bien s'habituer à l'idée, c'est que si j'ai un korban qui est shlamim, par exemple, je vais prendre un autre korban, un autre animal, qui est pour le moment choulin, je vais dire arezet tumura jeze, arezet achadze, un, il va être à la place de l'autre, je veux substituer le korban, apporter un autre, la Torah elle m'a dit, elle m'a interdit de faire ça, si je le fais, je reçois 39 coups. La Torah nous a dit que, pire que ça, tu as transgressé un interdit, mais en plus de ça, les deux sont devenus kadosh. Le premier et même celui que tu as voulu substituer. Les deux sont kadosh. D'accord? Le but de notre Mishnah va être de comparer l'akdusha, les situations où l'akdusha, je vais sanctifier un animal a priori, ou encore le cas où je vais vouloir, où je vais sanctifier malgré, je vais sanctifier un animal en le substituant. En comparant que dans certaines situations, la Gdusha va s'appliquer dans un et pas dans l'autre, et dans d'autres situations, la Gdusha va s'appliquer dans l'autre et pas dans l'un. C'est le principe de la Mishnah, avec trois voire cinq différences d'un côté, et un voire deux pour l'autre, comme ce qu'on va voir tout de suite. Chomer Bakodashim Ibatmura. Tels sont les cas où on va être plus mahmir, plus strict, où la Gdusha va s'appliquer dans les Kodashim, lorsque tu vas sanctifier a priori un Korban, Mibatmura, alors que dans la Tmura, dans la même situation, ce ne sera pas Kodosh. Ou Batumura Bieba Kodashim, et aussi sans facteur, le Bochomer. Telles sont les fois où par contre tu vas être plus strict sur la Gdusha qui va s'appliquer grâce à la Tmura, alors que dans une telle situation, dans les Kodashim, ça ne se serait pas appliqué. Premièrement, Shea Kodashim Osim Tmura. Ve'en Tmura Osa Tmura. Notion qu'on avait déjà appris plus haut dans le Perek Aleph, je crois que c'était Mishnah. Non, le Perek Aleph, Mishnah Hei. C'était avec l'histoire avec Rabbi Yuda, avec une discussion sur ça, que sur la suite. En Kodashim, toute la notion de la Tumura, c'est lorsque j'ai un animal qui est Kadosh, je vais vouloir apporter un autre animal et dire Arezo Tachadzo, je vais vouloir le substituer, alors la Gdusha va s'appliquer sur l'autre. Mais si une fois que j'ai fait ça, j'ai transgressé l'interdit, et maintenant j'ai un animal qui est devenu Tumura, c'est devenu une Tumura Tchlamim, je vais aller maintenant chercher un autre animal et dire bon, finalement, la Gdusha de la Tumura, je la fais passer sur l'autre. Arezé Tumuradze, eh bien la Gdusha ne va pas s'appliquer, j'ai pas transgressé d'interdit, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce que celui qui est le Kadosh originel, il peut faire une Tumura, mais celui qui est déjà une Tumura ne peut plus faire une Tumura. D'accord? Shakodashim Osim Tumura, Ven Tumura Osa Tumura. Celui qui est Kadosh, il fait la Tumura, il peut se faire substituer, c'est-à-dire s'il se substitue, sa Gdusha va passer, tandis que En Tumura Osa Tumura, celui qui a déjà été sur un substitut, ne peut pas se faire substituer. Ensuite, Atzibur Vashutafim Makdishim Avalo Memirin. Un public et des associés peuvent sanctifier. Ouais, on peut apporter un korban public, une hola, ça se trouve dans tous les jours de fête, tous les jours, même tous les jours, on appelle un korban tamid, c'est des korban tzibur. Donc le tzibur va sanctifier. Ou bien des shutafim, moi et mon associé, on a fait des belles affaires, on a envie d'apporter un korban shlamim en l'honneur d'Hachem. On va apporter un korban au Batamikdash, on peut apporter un korban en association. Par contre, on ne peut pas, un korban maintenant qui est en association, il ne peut pas se faire substituer, et des associés ne peuvent pas substituer un korban. Je m'explique. Une notion qu'on a déjà appris de nouveau, c'est que la Torah elle a insisté en utilisant un mot que c'est un particulier pour un particulier. Lo yamir oto, yachid oset mura, velo atzibur, velo shotim osim tmura. La Torah elle a insisté que, on va prendre le cas des associés, c'est plus facile. Si jamais on a un korban ola en association, moi et mon associé, et que moi je vais vouloir apporter un korban, je vais vouloir le substituer par un autre korban, je ne peux pas lui transférer la Gdusha.
n'y a aucune Gdusha qui va s'appliquer sur l'autre. Je ne vais pas transgresser l'interdit de Tumura, et la Gdusha ne va pas s'appliquer, ça va de soi. D'accord? Et idem aussi le cas contraire, si j'avais un korban d'un individuel, mais que des associations ont voulu faire passer la Gdusha de l'individuel sur un korban dans une association, d'apporter à la place un autre korban deux fois plus gros par exemple, peu importe, la Gdusha ne va pas passer. Particulier sur particulier, et ni associé sur particulier, ni particulier sur associé. Ça c'est pour la Tumura. Donc on se retrouve donc à Tzibur Vashutafim, un public ou encore des associés, ils peuvent sanctifier un korban en association, tandis que Avalom et Mirim, ils ne peuvent pas faire la Tumura. Troisième cas de figure, on a Gdishim, Evarim, Veubarim, Avalom et Mirim. Il y a deux cas de figure en fait à l'intérieur de ça. Il y a le cas où c'est des Evarim, notion qu'on a déjà appris. On avait une petite discussion concrètement, mais on va prendre un cas où Ever Shaneshamat Loyabo, un membre vital. Je veux sanctifier les poumons de ma vache pour qu'ils soient des korban shlamim. J'ai pris un membre qui est vital, la Gdusha va être mis de pachetet sur tout, la Gdusha va s'étendre sur tout, tout mon animal est devenu kadosh. Tandis que, il y avait une petite discussion si c'est pas un membre qui est vital, en fait. On a évoqué la notion, mais en tout cas, alors on va prendre le cas d'un membre vital. Tandis que si je fais la tmura sur un membre vital, c'est-à-dire, j'avais un korban shlamim, et j'ai apporté maintenant mon mouton, en disant je vais transférer la Gdusha de ce korban sur le cœur de mon mouton, eh bien, le mouton ne va pas devenir kadosh. Je ne peux pas le faire en tumura comme ça. D'accord? Donc tu as. Ça c'est pour les Evarim. C'est du fait qu'il y a marqué Behema ba Behema. Ouais. Donc par rapport à la Gdusha, je peux sanctifier un membre, la Gdusha va marcher et va s'étendre. Par rapport à la tumura, je ne peux pas faire tumura juste sur un membre. Parce que la Gdusha ne va pas s'étendre, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de transgression d'interdit, il n'y aura pas eu de Gdusha. Et pour les Ubarim, c'est le fœtus. Je peux sanctifier un fœtus. Si j'ai ma brebis qui attend un bébé, je peux dire que le bébé qui est dedans, je le sanctifie. Quand il va naître, je le ferai en korban shlamim. Et la Gdusha, elle va être khala, elle va s'appliquer. Tandis que si toutefois j'ai un korban shlamim, en disant que, et j'ai à part ça, ma brebis qui est khulim, qui est enceinte, si je veux vouloir substituer le korban shlamim, je dis, ah, il est trop vieux, j'attends qu'il va naître, là, le petit mouton tout frais, pour pouvoir l'apporter en korban, je substitue la Gdusha de l'un par rapport à l'autre, la Gdusha ne va même pas s'appliquer sur l'autre. Donc, dans tous ces cas de figure, on a vu que la Gdusha que l'on applique a priori lorsqu'on sanctifie un korban, elle est plus stricte, elle s'applique beaucoup plus facilement et strictement sur un, lorsque je vais le faire a priori en Gdusha, plutôt que lorsque je vais le faire en Tumura, comme tout ce qu'on a vu. Donc, que le public ne peut pas faire, Tumura ou Satmura, ou encore les membres, les fœtus. Eh bien, sache aussi qu'il y a aussi le cas contraire. Chomer Batmura, il y a aussi des fois où, par contre, on va être plus marmire sur la Gdusha qui va provenir d'une Tumura, de son substitution, qui est par rapport à si tu voulais sanctifier, que chez Akdusha, Chalal, Balatmum, Kavua, Vena, Yotsa, Lechoumine, et Gazaz, ou le Aved. Je traduis d'abord, après j'explique. Car la Gdusha, la sainteté, va s'appliquer sur celui qui a un défaut fixe. Au point où il ne sortira plus pour devenir profane, au point de se faire tondre ou de se faire travailler. Je m'explique. Ça touche à cette fois-ci à une notion qu'on apprenait dans Prorot longuement. Les défauts. On va prendre un cas, par exemple, où vous savez bien que s'il y a l'oreille entaillée, la lèvre entaillée, alors le korban il est devenu invalidé, on ne peut plus le faire monter sur le misbéar, il peut plus. Ça a été un korban invalidé. Il y a un moum kavua, une patte cassée, tout sort de. Le défaut, toujours la Torah nous dit tamim, zachar tamim yikrivenu, toujours le mot tamim, entier, il faut que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de défaut. Un korban, il doit être parfait. Et s'il y a un défaut, il est plus apte à monter sur le misbéar à différents niveaux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que si toutefois je vais sanctifier un animal qui était parfait, ensuite il va avoir un défaut, il s'est fait arracher une oreille. Bon, alors maintenant, ce korban, il est plus apte à monter sur le misbéar. Alors qu'est-ce que je fais avec ce korban? Je vais devoir transférer la Gdusha qu'il a, le racheter en fait. Je vais devoir racheter la Gdusha qu'il a sur un autre korban. D'accord? Je vais faire un pidyon. Je vais transférer la Gdusha sur un autre animal. Lorsque je vais transférer la Gdusha, sache que l'animal maintenant que tu as maintenant avec l'oreille arrachée, il est cachère à manger, tu peux le manger, tu peux lui faire la shrita, tu pourras le manger sans aucune restriction, il n'a pas de Gdusha sur lui. C'est vrai. Mais malgré tout, sache que tu n'as pas le droit de travailler avec lui. Si c'est un mouton, tu n'as pas le droit de le tondre. Et même mieux que ça, tu n'as pas le droit de le donner à manger à tes chiens, si toutefois il meurt naturellement. Tu peux juste lui faire la shrita et le manger. C'est une halakha. D'accord? On apprend ça. Donc, ça c'est pour le korbanot en général. Par contre, ça c'est lorsque j'ai sanctifié, il était apte à être un korban. Puisqu'il a eu
il était préposé à une super gdoucha, à être un korban, même lorsqu'ensuite il va redescendre, eh bien il ne redescend pas complètement au point de devenir un vrai chulin. Par contre, si lorsque je l'ai sanctifié, il avait déjà l'oreille arrachée, alors a priori il n'a jamais été apte à être un korban. Donc lorsque je l'ai sanctifié, ce qui a été kadosh, c'est juste les damav. Sa valeur, elle était sanctifiée, mais pas lui-même, pas lui intrinsèquement. C'est juste sa valeur. Donc lorsque je vais transférer sa valeur sur un autre korban, le korban maintenant, donc qui a perdu sa gdoucha, eh bien je pourrais en faire ce que je veux, je pourrais le tondre, je pourrais le donner à manger aux chiens, en faire des croquettes. Pour les chiens, aucun problème. D'accord? Ça, c'est vrai pour ce que je sanctifie a priori. Mais pas pour la tmoura. La Torah, elle nous a donné un grand chidouche en nous disant « Lo yachal evno voli amoto, ra betov o tov bera » Ni un bien par un mauvais, ni un mauvais par un bien. Et la Torah nous a dit, et si toutefois tu l'as sanctifié, il sera kadosh. La Torah nous a pris un super grand chidouche en nous disant que c'est quelque chose qui était déjà, quelque chose qui était kadosh, t'as un korban shlamim. Tu as voulu le substituer avec un animal qui a un défaut, qui a une oreille en moins. Sache que même sur lui, la kdusha va être là au point où, lorsque tu rachèteras la kdusha, tu la feras passer ailleurs par exemple, sache que ce mouton-là, tu n'auras pas le droit d'en faire des croquettes, tu n'auras pas le droit de le tondre, tu n'auras pas le droit de travailler avec lui si c'est un taureau, par exemple, tu l'utilises pour tirer la charrue, tu n'auras pas le droit. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a donné une doucha plus forte dans ce qui va provenir de la tmoura, plus que si je voulais a priori sanctifier un tel animal. Si je prenais cet animal avec l'oreille en moins, je le sanctifierais, eh bien la doucha, elle n'est pas très forte. Il y a une doucha, mais dès que je la fais passer, l'animal, il est devenu chouline. Lorsque je l'ai fait tmoura, il y a une doucha forte au point où je suis bloqué avec cet animal que je ne pourrais plus. Et je ne pourrais plus le faire ressortir pour devenir profane au point de se faire tondre et de servir. Donc, première différence où on voit qu'on est plus strict dans la gdusha de la tmoura plus que la gdusha d'a priori. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda vient, il nous dit encore, il y a une autre situation encore qui est, je traduis, Asa shogeg kemezid batmoura velo asa shogeg kemezid bamukdashim. Il a fait la gdusha par inadvertance dans la tmoura. Et comme si qu'il avait fait consciemment, mais veloasa shogeg kemezid bamukdashim. Il n'a pas fait la gdusha du shogeg par inadvertance, comme celui qu'il a fait consciemment dans les korbanot a priori, dans les sanctifications a priori. Je m'explique, c'est très simple. On parle de hekdesh taout, celui qui a sanctifié par erreur. J'avais par exemple, j'avais décidé d'apporter un korban shlamim avec un mouton blanc. Et donc je suis parti dans mon troupeau, j'ai vu là-bas un beau mouton blanc, je me suis dit, ah c'est bien, lui il est bien, moi j'ai tourné la tête parce que j'ai entendu du bruit derrière moi, hein. Après j'ai dit, bon, j'ai attrapé le mouton, j'ai dit, arézé kadosh, arézé shlamim, arézé hola, je tourne la tête, je vois que j'ai pris un mouton brun, en fait le blanc il est parti là-bas, il y a un brun qui est venu à ma place. Eh bien, la kdusha ne va pas être là, la kdusha ne va pas s'appliquer, je me suis trompé lorsque je l'ai fait, j'étais pas conscient, parfaitement, j'étais béchogeg, ekdesh taout et nogdesh. Si je fais la même chose dans la tmoura, eh bien, il sera kadosh. J'avais mon korban shlamim. Et finalement, j'ai décidé de le substituer, interdit de le faire, mais j'ai décidé de le substituer avec un mouton blanc. Et puis après, j'ai fait le même scénario, et j'ai pris un mouton brun sans faire attention, j'ai dit, arezet achadzo, la kdusha de l'un, il passe sur l'autre. Et d'un coup, je prends la tête, je vois qu'il est brun. Je me suis trompé. Bah, sache que tu as transgressé l'interdit de Tumura, je serai frappé les 39 coups, et la Gdusha, elle s'est appliquée sur le deuxième, parce que dans la Tumura, la Torah, elle a insisté que, en me disant, je ne trouve plus le Passouk, il nous le rapportait, c'est déduit dans le Passouk en tout cas, Yé Kadosh, Yé Kodesh, Yé Kodesh, là, il sera saint malgré lui, même si tu n'étais pas pleinement conscient. C'est pas précisé ce que la Lacha, elle est comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda ou non. Dernière partie de la Mishnah maintenant, Rabbi Elazar Omer, Akila imva trefa veyot sedofen zutum tumba androgynos lo kedeshim velo makdishim. Rabbi Elazar ne vient plus maintenant nous parler de la comparaison des korbanot a priori ou de ceux qui viennent à cause de la tmoura. On parle d'autre chose complètement. On parle en fait, on va mettre le zoom sur un petit détail qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente. On a dit auparavant que la Gdusha va s'appliquer sur un korban qui a. La Gdusha de la tmoura, elle va s'appliquer sur un korban qui a un défaut. C'est vrai pour les korbanot qui ont un défaut, mais pas pour d'autres korbanot, qui sont cinq sortes. Rabbi Elazar Omer, Akilaim, les bâtards qui viennent d'un croisement d'un mouton ou d'une chèvre. Vous savez qu'on peut apporter plusieurs korbanot, tu peux apporter de la famille des moutons ou de la famille des chèvres, mais pas un bâtard, un croisement entre les deux. Ve'atrefa, un korban qui était taref, qui était mourant. D'accord? Il s'est fait perforer
l'estomac, peu importe, le poumon, toutes sortes de tréfautes. Il s'est fait couper le pied au-dessus de la cheville, du genou. Veillot Sedofen, ou encore un animal qui est né par césarienne. Tum Tum, c'est un animal qui a une peau sur les parties génitales, on ne voit pas est-ce que c'est un mâle ou c'est une femelle. Androgynos, ou bien androgène, qui a les deux parties génitales. Tous ces corbanotes-là, ce sont tous ces animaux-là, ce sont des animaux qui sont inaptes à devenir corban. Sache que eux, ni ils peuvent être corban, mais même par rapport à la tmoura, l'okdeshim velo magdeshim, ni eux-mêmes seront kadosh, ni eux-mêmes sanctifieront. On va prendre le cas de la tréfa, c'est le plus facile, après on expliquera sur les autres. Tu vas prendre un animal qui était taref. Donc tu avais ton corban shlamim qui était parfait. Tu n'as pas le droit de prendre un animal et de le faire tmoura. Ça, c'est la tmoura classique. Imagine que tu as pris un animal qui était taref. Et tu vas dire la gdusha du shlamim a rezé tachadze. Tu vas vouloir prendre la gdusha du shlamim et la substituer par le corban par un nouvel animal qui n'est pas viable, il est mourant. Eh bien, il vient nous apprendre. Rabbi Elazar, il vient de nous apprendre que la Kdusha ne s'applique pas du tout. Si la Kdusha s'applique, certes, sur un animal qui a un défaut, c'est parce que dans son espèce, tu vas trouver des animaux qui seront kadosh. Mais là, c'est une espèce complètement grillée, elle est morte, elle ne vaut plus rien. C'est plus un animal, c'est plus behema, babehema, dans le sens plein du texte, de la notion. Quoi. Idem, maintenant, d'accord, donc, et ça va à double sens. C'est-à-dire. Soit tu avais un korban shlamim et tu vas vouloir le substituer par un animal qui est taref, ou encore si tu avais un korban shlamim qui était très bien, que lui-même il est devenu taref, et tu vas vouloir le substituer sa gdusha sur un autre animal, et bien la gdusha ne va pas s'appliquer. C'est ce qu'il y a écrit quand je te dis lo kedeshim velo magdeshim. Ni lui les kadosh, ni lui peut se faire, ni peut venir grâce à lui. Ni lui peut être la tmura gdusha. Ni lui peut être celui qui va être Magdish, Mikoch la Tmura. D'accord? Ça va dans les deux sens. Donc si le Korban Shlamim, il était taref, il ne va pas pouvoir faire une Tmura. Et si le Korban Shlamim, il était très bien, mais que tu as voulu faire la Tmura sur un taref, la Kdusha ne va pas s'appliquer. Idem aussi avec les autres. Mais il y a un problème dans les autres. Qui sont? Kilaim Yotse Dofen. Donc on a dit Kilaim, c'est le croisement. Yotse Dofen, c'est celui qui est sorti par césarienne. Tum Tum Vadogenos, c'est celui de l'androgène ou celui qui a les parties génitales couvertes. On ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle. Tous ces cas-là, alors, premièrement, il y a le cas simple, c'est que c'est un korban shlamim et tu vas porter une de ces espèces pour le faire tmura, sache que la tmura ne va pas s'appliquer. D'accord? C'est ce qu'il est venu nous apprendre en Bélazar. Mais il y a aussi le cas de figure inverse. C'est que si ton korban lui-même, il avait ce problème-là d'être un kilaim yotzedofen tumtum bandroginos, la gdusha ne va pas passer, ne va pas s'appliquer sur la tmura. D'accord? Imagine par exemple que tu avais, c'est absurde pour le moment, mais encaissez-le tel qu'il est, tel quel. Je vais vous expliquer pourquoi c'est absurde aussi. Mais imaginez que tu avais un korban shlamim qui était lui-même androgène, eh bien la Mishnah vient m'enseigner, sache que si maintenant tu vas vouloir substituer un tel korban par un autre animal qui est parfait, la Kdusha ne va pas s'appliquer. Voilà ce que la Mishnah elle est venue me dire aussi. Seulement il y a un problème technique. C'est que si le korban c'est un bâtard, c'est un kilaim, ou bien c'est un Yotse Dofen, il est né par césarienne, ou ici les Tumtum Anogrenos, c'est un androgène, la Kdusha, il ne sera jamais un Korban Shlamim, il ne pourra pas être Shlamim. Parce qu'un Shlamim, il doit être parfait, comme il faut, selon les règles de l'art qui sont précisées dans Vaikra. Là, ton Korban, il ne peut pas être Shlamim. Alors comment est-ce que tu veux? Si lui-même, il n'est pas Shlamim, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Tumura. Si je vais dire, mon livre, c'est un Korban Shlamim, et je vais après prendre un Korban pour dire, il va être Tumura de ce Shlamim, c'est pas un Shlamim, donc il n'y a pas de Shlamim dans l'autre. Donc on a un problème technique. Pour pouvoir faire la tmoura, il faut que tu aies un vrai korban, qui est une vraie gdusha forte, et que tu transfères la gdusha sur un animal. Or, comment tu peux avoir un korban shlamim qui va être kilaim, yotzedofen, tumtum, andominos? C'est sur ça, le long Barthénora, il nous explique que c'est très simple, il y a une solution toute simple. Selon un avis, qui est Rabbi Yehuda, qu'on apprendra plus loin, qu'on a déjà en fait évoqué en fait, dans la Perek Aleph, Mishnah Gimel, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, Mishnah He, il y avait Rabbi Yehuda Omer, Avlado, cette tmoura. On a la solution. C'est que si on a un Vlad, c'est-à-dire que j'avais par exemple un Korban Shlamim qui était un mouton femelle, et puis ensuite, il y a eu une chèvre qui s'est accouplée avec elle, et ça a mis bas un animal. Cet animal-là, il faut bien comprendre qu'il a une doucha très forte. Il est Vlad Shlamim. Selon Rabbi Yehuda, je peux, en théorie, un Vlad, je peux transformer la doucha d'un Vlad
la Kdoucha d'un Vlad sur un animal normal. Ça existe de transgresser, de faire la Tmoura comme ça. C'était ce qu'il y avait écrit justement dans la Mishnah. Perek Aleph, Mishnah He, regardez là-bas, je vous le lis même si vous voulez, Rabbi Yehuda Omer, à Vlad ou cette Tmoura. Il y avait une discussion sur ça. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça existe d'avoir un Vlad qui est Kadosh. Et maintenant, la Mishnah vient me dire, ben, sache que si ce Vlad-là, c'est un bâtard, ou bien il n'est pas né naturellement, la Torah me dit, il faut qu'il naisse naturellement et pas qu'il naisse par une césarienne. Ou bien encore, c'est un tumtum androgynos, il exclut mina behema ou mina bakar, là-bas on exclut tumtum androgynos. Eh bien, sache que s'il est kadosh de la sorte, donc, il a une doucha forte, certes, mais lui, énoncé tmoura, parce que pour la tmoura, il faut que ce soit nécessairement un korban, un vrai korban qui est apte à devenir un korban, ou au pire, un korban qui a eu un défaut aussi, s'il était kadosh après avoir eu le défaut. Mais pas que ce soit un corban de la sorte qui est complètement exclu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atsaha. Tout cela.